Salut à tous, c'est Colin Diam, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui en MME avec quelques abonnés qui voulaient jouer avec moi. Et donc on commence tout de suite. Alors ça va être Chou Kakaro d'entrée de jeu. Alors voilà, un kill, deux kills, voilà le petit pont, le MTS 255. Toujours pour l'avoir en or. C'est mortel à courte distance, vous voyez, bout portant, faut être tout prêt. Par contre l'erreur à pas faire, c'est de recharger alors qu'il y a du monde dans le secteur. Le problème, c'est qu'il a que 5 balles, donc c'est chaud cacao. Donc tour de passe-passe obligatoire pour vous donner un petit peu les atouts. Donc tour de passe-passe obligatoire. Sprint et marathon, moi j'utilise aussi mon obligation, puisque il faut aller très très vite pour voir un ennemi de près. Hein, il faut rusher au maximum. J'ai mis visée solide aussi, parce que quand vous vous trouvez face à face, vous n'aurez pas le temps de viser. Il faut vraiment être le plus rapide possible, donc tout ça, ça va ensemble. Et j'ai mis l'atout pour pouvoir avoir deux grenades, là j'ai mis deux EI, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse prendre comme des putes avec les EI qui sont foutus par nos ennemis. Donc moi j'ai dit, je vais faire pareil, il n'y a pas de raison qu'eux aussi ne crèvent pas, je vais mettre deux EI dans leur gueule, comme ça ils crèveront eux aussi, chacun à son tour. Voilà, et puis comme pour le pompe, il ne faut pas beaucoup d'atouts, voilà, toi tu meurs. C'est pas une grosse nécessité, puisqu'il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Il faut vraiment. L'essentiel, c'est de rusher. Visée solide. Moi, c'est pour ça que je vous conseille. Tour de passe-passe obligatoire. Sprint marathon, visée solide. Quand vous avez ça, vous avez l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de spécialiste. Vous faites pas chier avec les autres. Ça sert à rien. Si vous êtes tout près de l'ennemi et vous le rusher, vous allez le tuer au pont. Si vous êtes à 10 m50, c'est vous qui allez mourir. Donc, c'est pour ça, dans vos déplacements, faites super attention. Vider les bâtiments. Ah tiens, un bout portant, faut vraiment être tout prêt. Et lui, j'ai explosé la tronche, ça fait un vol plané, mon pote. Eh oui, prends ça dans ta gueule. À bout portant, c'est le défi qu'il faut faire. Il faut vraiment être tout proche. Et il n'y a que dans les bâtiments que vous pouvez réussir à être tout proche. Et moi, je vous conseille de mettre des drones. J'ai mis un IMS, c'est pour protéger les drones, justement. Ah, mais j'ai pas voulu mourir, quoi. Et puis après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez jouer en assaut ou en soutien, il n'y a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'avoir un petit drone, ça vous aide beaucoup pour voir les ennemis, vous aide pour les déplacements surtout. Ouais, vous voyez, ça compte toujours dans les bâtiments. Donc il faut les déloger, et il faut faire vite, donc courez très très vite d'un bâtiment à l'autre. Hop, ah bah, vous voyez, celui-là, il campait, il a une grosse campouse, oui. Il est allongé. Donc voilà, il faut vraiment être le plus rapide possible pour vous jeter sur les ennemis. Et agir assez rapidement, il n'y a pas pris quoi. Et être assez rapide dans vos tirs quoi. Donc il y a le défi aussi sauvetage que j'ai des gros soucis pour les réaliser parce que c'est vraiment chaud cacao quoi. Il faut que vous tuez un ennemi avant qu'il ait le temps de tuer votre allié quoi. Donc il faut que l'ennemi vise votre allié qui commence peut-être tout juste à le toucher que vous puissiez tuer cet ennemi quoi. Donc c'est un truc de fou quoi. Faut vraiment être tordu pour avoir inventé ce défi-là, quoi. C'est celui qui me fait chier parce que j'ai fait tous les autres défis pour le MTS 255 et celui-là, ben j'en chie comme un bourrin, quoi. Autant pour le Bulldog, j'ai pas eu de difficulté, je sais pas pourquoi parce que ça s'est bien trouvé sûrement. Autant là pour le MTS 255 et même l'autre pompe que j'ai commencé à monter, je sais plus comment ça s'appelle, ben c'est dur, sauvetage, c'est dur. L'assistance c'est pareil, hein, faut faire des assistances, donc imaginez, hein, faut vous aider à tuer un ennemi avec un de vos alliés, quoi, c'est vraiment aux pompes c'est compliqué quoi. C'est vraiment des défis abusés en sachant que vous allez rusher, vous allez plus vite que vos alliés. Et vous allez pas camper à côté pour que vous fassiez des assistances, c'est nul quoi. C'est nul, j'en ai vu un qui est là-haut là. Et ben lui par contre j'ai pas vu sur le drone, il est pas apparu, donc soit il avait un radar, soit il venait juste de respawner le mec. En tout cas c'est pas cool, de toute façon les spawns tout le monde sait maintenant, c'est nul n'importe quoi. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça, on pourra pas faire autrement quoi. Donc n'hésitez pas à jouer comme des putes vous aussi, hein. Regardez, y en a qui se gênent pas non plus. Y a aucune raison, moi je vous donne ce conseil là, hein. Mettez des EI, faites pas de cadeaux, campez si vous voulez aussi, de toute façon, prévenez-moi par contre si vous campez, puis je suis dans la partie, parce que sinon je vais rager. Mais par contre, allez-y, campez comme des porcs les mecs, c'est bien super, ça lag, merci les connexions les mecs. On voit qu'ils ont mis du pognon pour arranger ça les mecs.
Mais ils s'en foutent plein la poche, ils ont des villas à des millions de dollars, et puis nous, on rage toujours et on en a plein le cul. Mais ils s'en foutent complètement, mais le jour où on n'achètera plus leur jeu, ben ils seront bien dans la merde, les mecs. Ils se retrouveront chez le père Pôle emploi là-bas, comme ça ils seront tous comme des cons. Mais je sais même pas si ça existe, la bonne Amérique. Donc, je disais quoi? Moi, je disais de la merde encore, comme d'habitude, pour pas changer, quoi. Donc, je vous dis, Rocher, allez, voilà, comme ça, allez, toi, tu meurs, t'es demain, tu meurs, et moi, je suis mort par un campeur là-haut. Et oui, il y en a toujours là-haut, donc faites gaffe. Dans vos déplacements, vous vous déplacez d'un bâtiment à l'autre. Prenez bien soin de longer les murs, hein, comme un rase-motte, quoi. Hein. Vous allez rocher, raser les murs, et vous mettez des EI, et voilà, comme ça, toi, vous voyez, pas de portée, il prend rien, je suis obligé de lui mettre 5 balles pour qu'il meure, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ils ont fait ce jeu pour faire chier les mecs qui veulent jouer aux pompes. C'est pas possible autrement. Allez, là, c'est bien, ça. J'aurais dû faire une assistance ou un sauvetage, là. Non, mais rien de marqué, rien du tout. Zéro patate. Prends ça dans ta gueule. Oui, le drone, ça aide quand même beaucoup. On y voit plus clair. Là, ils apparaissent pas, mais hop, ils sont morts. Eh oui, ils voulaient camper. Et t'es mort, toi aussi. Eh oui, et c'est comme ça. Eh oui, mais j'aime bien faire chier le monde. Le pompe, c'est mortel dans une petite carte. Et ça les fait rager, les mecs. Et moi, j'aime bien ça, les faire rager. Surtout quand ils nous ont fait rager. C'est normal, c'est logique. Oh, regardez ce qu'il va faire, lui. Il va camper aussi. Il prend pas. Hey, il faut 3 balles, quoi. Vous voyez, le pompe, c'est quand même très compliqué. Les mecs, ils prennent pas. Donc, il faut pas rager. Il faut pas hésiter. Alors, ce qui est chiant, c'est en mode normal. Je vous dis, ça prend pas forcément leurs balles. C'est pour ça que moi, je vous conseille l'hardcore. Là j'étais avec des abonnés, donc on l'a fait en mode normal. Mais je vous conseille de jouer en hardcore avec les pompes. Il y a un peu plus de portée, donc vous arrivez à faire un peu plus de frags. Mais bon, l'inconvénient, c'est que vous mourrez aussi plus vite. Hein. Mais bon, si vous faites attention à vos déplacements, rushez pas en plein milieu. Allez, tiens, prends ça le chien. C'est vrai que les chiens, de toute façon, ils meurent pas. Ils ont des gilets barbales permanents. Ça sert à rien de lutter. Maintenant, moi, dès que je vois un chien, je me laisse mourir. C'est plus la peine. Je lutte plus. C'est fini. Je lutte plus, quoi. Donc, je vous disais, allez en mode normal. Vous essayez, si vous voulez, en mode normal les pompes. Mais moi, je vous conseille l'hardcore. Ça sera plus facile. Sauf si vous avez du mal pour rusher. Parce que c'est vrai que, comme je vous dis, hein, à moyenne portée ou longue portée, vous serez mort aux pompes. C'est pas la peine de lutter. Ça sert à rien de rager. C'est comme ça. Vous le savez. Donc, vous serez prévenu. Et vous allez rencontrer des campeurs comme celui-là. Eh oui, dans un coin, trou du cul. Eh oui, trou du cul, trou lulu. Et moi, je vais me venger parce que j'aime bien me venger. D'abord, je protège ma petite tourelle. Un petit œil pour les sacs à merde. Voilà, parce que c'est faire peur, ma tourelle, elle fait du bruit. Et voilà, mon IMS qui a fait un kill aussi, tiens, ça leur prendra. Ça, c'est efficace pour leur vengeance. Ah, attention, il va être là, le mec. Il est là, il n'a pas changé de coin. Eh non! Parce qu'il faut se méfier, des fois, il change de coin. Mais moi, mon deuxième prénom, c'est Vengeance. Hein. Après Colonel, c'est Vengeance. Mais oui, il ne faut pas me prendre pour un con. Si. Tiens, toi, tu, si, tu fais quoi? Tu veux camper dans un coin? Allez, prends ça aussi. Donc voilà, le pompe, moi, je vous le conseille sur les petites cartes. Amusez-vous avec, vous verrez, vous voyez, vous faites de bonnes parties. Et il ne faut pas rager parce que, de toute façon, il faut apprendre à mourir. C'est pas grave, mais vous allez en faire rager plus d'un grâce à ça. Voilà, et je vous dis à bientôt. Ah, salut, bye bye.